Salut, May. Laisse-moi deviner, tu seras en retard. Même pas, je suis déjà en route. T'as des nouvelles de Miles ? Non, mais sa mère m'a dit qu'il venait, donc... Parfait, j'arrive bientôt. À toutes. Ah, j'aime trop. Bon, là, ça serait jamais quoi de me balancer comme ça dans la ville. Ouais, ouais. J'entends pas, j'ai des écouteurs. J'ai de la musique. Ah bah, elle est là, l'église. J'ai reçu une information intéressante aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce monstre qu'on... Allez, tais-toi, toi. Qu'est-ce que tu fous ici ? T'es un vieux rageux. Oula ! Il est costaud, si là. Okay. Bien. Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait ? Tu viens de faire une grave erreur, Toka. Son pote qui... C'est trop drôle, en vrai, putain. Merde. Vous n'êtes pas un peu trop nombreux pour vous en prendre un ado. Et là, il reconnaît pas la voix. Non, parce que bon... Ah oui, c'est vrai. Non. Mais là encore, j'ai appuyé. Je suis si... En fait, j'ai l'impression que je suis juste lent, en fait. Et que certes, j'appuie, mais trop tard, en fait. Ça va? Parce que là, la voix, tu la reconnais quand même. Vous êtes Spider-Man. Vous êtes l'incroyable Spider-Man. Le spectaculaire Spider-Man. Tu utilises des adjectifs plus flatteurs que Jameson. Écoute, t'as été courageux. Mais la prochaine fois, faut laisser faire les pros. Ok? Ok. Et si les pros sont pas là? Non, c'est vrai, ça. Tu peux pas te jeter comme ça sur des types qui font deux fois ta taille. Enfin bon, moi je dis ça, ça m'arrive souvent de combattre plus fort que moi, mais tu vois, dans ces cas-là, je... Ouais, une fois vous avez affronté le Rhino sur le pont de Brooklyn, ah, c'était trop génial. Très bon exemple. Si l'ennemi est plus fort, il faut être plus rapide. Ok? Je sais, mais c'est facile à dire pour vous. Désolé, mais moi, je suis pas comme vous. Allez, mets-toi en garde. Sérieusement? Ouais, vas-y. L'important, c'est de toujours rester calme. On inspire, mais... on expire, on se détend. Les hanches face à l'ennemi. Tu attends qu'il attaque, tu bouges tes pieds, et quand ils sont déséquilibrés, tu cherches une ouverture. Bam! Comme ça? Ouais, voilà, c'est bien. Ok. Allez, cette fois, tu frappes pour de vrai. Dans la mâchoire. Ok. Ok? Vas-y. Oh, oh mince. Pardon. Attends, mais non, non, non. Pas de problème. Continue comme ça et tout ira bien. Bon, fin de la leçon, je dois y aller. Merci pour tout. Y a pas de quoi. Ouais, c'est ça que sur le principe. Si lui il a des gadgets pour lancer de la toile. C'est vrai qu'il y a pas besoin d'être piqué. Je suis en mode il va se faire piquer par une araignée. Mais non, si t'as des lanceurs de toile, faut juste pas être avoir le vertige quoi. Attends, on va jouer là. Le refuge devrait être droit devant. Ah ouais. Yo Miles, ça va? Oh mon pote, tu vas pas me croire! Je viens de rencontrer Spider-Man! Quoi? C'est dingue! Eh, tu lui as montré notre appli de piratage? Oh non! J'ai complètement oublié! Ah, oh, t'assures pas! Il te l'aurait forcément acheté et on serait devenus célèbres! Non, je lui montrerai la prochaine fois. Faut que j'y aille, j'ai promis à ma mère que je serai pas en retard. Ok, à plus alors. Ça serait tellement stylé de voir la Spider-Man derrière et tout là. Le marché. Je peux passer par là. Allez, circulez, circulez. Allez, au trop. On arrive pas en retard. C'est vous. Oh. Sortez vos pièces d'identité et attendez d'avoir été contrôlés. Ah. Ah d'accord, je vais faire la queue. J'ai tellement eu peur que je voulais pas avancer quoi. Ça va mettre des plombes. S'il y avait pas ce drone, je passerais par-dessus la barrière. Oh, c'est Watch Dogs. Waouh, c'était trop facile. J'y crois pas. Les systèmes de SAM, c'est vraiment une passoire. Je me demande si je devrais pas leur envoyer un petit tuyau anonyme.
Les Watch Dogs. Ces types-là. Ok. Ok, petit appli de piratage. Ne laisse pas tomber. Je pourrais peut-être déclencher cette sirène. Ok. C'est le moment ou jamais. Ah, hein? Oui, lui, je l'attire avec ça, en fait. Mais du coup, pourquoi vous voulez attirer lui? Ah, mais là, je me suis... Non, c'est bon. Trace, 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 trace. Ok. Allez, réfléchis. Je peux passer sous la barrière à gauche ou par l'échafaudage à droite. Ouais, l'échafaud, la hauteur, la hauteur. T'es un futur Spider-Man. Bon, on n'est pas censé le savoir, mais... Encore des drones? Je dois les désactiver. Ces drones-là sont armés. Mieux vaut pas me faire repérer. Oh, j'ai failli faire tomber le sac de sable. Et bonne nuit. Été... Ce serait tellement cool si c'était un peu moins flippant. Oui, il y a un rat là. Non. Non. Non, merde. Moi, j'ai. Je pense qu'il y avait une diversion à faire. Ou alors que je tombe par dessus. Merde. C'est pas grave. Dans un univers parallèle, je suis pas repéré. Par contre, la portée du piratage était pas folle. Là, sont armés. Fort Camille, il taffe là-dessus, là. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Et bonne nuit. Ce serait tellement cool si c'était un peu moins flippant. Ah ouais, d'accord. Vu. Fais pas attention à moi. Invisible. Ok. Ok. Je m'en suis sorti. Ouh. Eh ben. J'adore sa démarche. Hey, salut. Cool détente. Salut mon chat, ça va? J'ai bien arrivé au refuge, fils? Ouais, j'y suis presque. Mon chéri, tu n'es pas obligé de travailler à ce refuge, tu sais. T'as dit que je devais. Non, je t'ai laissé le choix. Ouais, ça vaut toutes les séances de psy. Enfin, je veux dire, ça m'a aidé, hein. Le gars me dit qu'on vit pas tous le chagrin de la même manière. Moi, c'est ça, ma manière. Très bien, désolé. Maman. Oui? C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je t'aime pas. Mon chéri. Ah, c'est trop mignon. On s'en sortira, d'accord? Je dois y aller. Je t'appellerai sur le chemin du retour. Maman, mais je vais pas te le dire, mais voilà. Ah là là. Bon, respirez calmement, je reviens, monsieur Hodges. Mais là, la voix, il va là. Mais il le voit c'est juste après. Peter. Désolé pour le retard. Non, c'est rien, je suis content de te voir. D'accord, alors. Qu'est-ce que je peux faire? Possible. Je pourrais commencer par. Te familiariser avec le centre. Parler à des gens. En distribuant du café. Café, ok. Moi, il pourrait pas me la faire. Je passerai te voir pour vérifier si tout va bien. Je connais pas les doubleurs, mais je reconnais les voix. Ouais. Oh, t'en fais pas pour monsieur Hodges. Il mord pas. Enfin, pas trop. Ah, bah c'est rassurant. Ah ouais, il y a des gens qui ont convaincu quand même. Hein. Café? Merci. Je peux aider? Je me demande si tu peux me dire ce que c'est qu'un quark. C'est une particule subatomique. Ce sont les éléments constitutifs des protons, des neutrons... Ah oh, mais lui aussi il est super intelligent. Subatomique. Putain, je pourrais jamais devenir l'homme araignée du coup. Bien joué petit. Oh, c'est de la camelote. Oh, saleté. Mais pourquoi ça marche pas? Je peux jeter un œil? Hein? On a des tubes cathodiques au lycée. Je sais comment ça se répare. Tubes cathodiques à quoi? Non, non, suffit de taper dessus deux, trois fois. Et non mais il va la faire tomber. Ça repart. Ou il y a un faux contact peut-être. Ah bah, à force de taper, oui. D'accord, d'accord. Eh ben, vas-y, essaie, hein, monsieur le petit génie. Allez, à toi de jouer. Ah, les vieux qu'on le somme, je crois que c'est un des pires trucs aussi qui existent sur Terre. De nombreux hommages ont encore été rendus à l'agent Jefferson Davis, le héros tué lors de l'attentat à l'hôtel de ville. D'après de nouveaux témoignages, il aurait utilisé son corps comme bouclier pour protéger des gens de l'explosion. Eh, hey, le nouveau, je suis à sec, là. Eh, mais sois poli, par contre. Un héros,
Il a rien fait d'héroïque, il s'est juste fait sauter. Ouh. Ah, Ernie, je vous présente Miles. Il vient donner un coup de main. Vous avez dû entendre parler de son père, Jefferson Davis. Avec tout ce qui lui arrive en ce moment, c'est plutôt sympa qu'il soit venu nous aider. Pas vrai? Ouais. Par contre, il est resté si calme. Moi, j'aurais pété les plombs. Je suis désolé pour ton père. Viens, Miles. Ma tante a besoin d'aide en cuisine. T'as son mental. En vrai, il a déjà le mental de l'homme araignée. Hein. Putain, moi, je lui aurais mis la cafetière dans la tronche, quoi. Tante May, je vais devoir y aller, mais j'ai amené des renforts. Ah, Miles, je suis ravie de te voir. Bien, mets un tablier, lave-toi les mains et je te fais visiter. Hé, hey, Peter. Je te connais. Merci pour ce que t'as dit là-bas. Pas de quoi. C'est moi où il y avait une autre voix là pour le... C'est moi où il y avait un autre doubleur. Sable va déplacer le docteur Michaels. Il faut que j'aille à la Bowery pour le retrouver. Nos ordinateurs sont un peu vieillots, je le crains. Oh, pas de soucis. Peter, fais attention à toi. Miles dit que les patrouilles de sable sont extrêmement strictes. Ça marche. Bon allez, bonne chance Miles. Hein. Ok. Ah ouais, moi j'aurais... Oh la vache. En vrai, ça c'est le pire truc. Hein. Tu perds quelqu'un de ta famille... Ou en vrai, même un proche, un ami ou quoi, dans un truc comme ça et tout, et qu'il y a un mec qui dit à moi, machin et tout, frérot. Enfin, moi que le coup de circuit, je lui aurais fait dans la tête. Hein. Ok. Premier jour. Alors, et ça se vide bien les trucs quand même. Hein. Salut Yuri, je me rends dans le Bowery pour m'assurer que Michael sera bien à l'abri dans son nouvel abri. J'éviterai à votre place. Silver Sable a été très clair. Vous n'êtes pas le bienvenu. Ouais, bah qu'est-ce qu'elle va me faire? Me tiras-tu? Honnêtement, il y a 50% de chance. Ah, ok. Je serai dans les environs, mais pas trop près, au cas où. Ça va, 50%. Moi, je prendrais cher. Et où est le Dr Michaels? Où est le Dr Michaels? Nous sommes prêts, Dr Michaels. C'est le souffle du diable? Oh. C'est le GR-27, pas... Faites-y attention! Entre de mauvaises mains, les risques sont... Rassurez-vous, nous sommes les meilleurs au monde. Je me sens déjà bien mieux. Comme ouais, donc ils sont louches aussi, quoi. Le paquet est en route. Ils sont louches aussi, ils ont beau travailler pour le maire, hein. Ils font leur petit business à côté, quoi. Par ici, Dr Michaels. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben les trucs qu'ils construisaient. Oh la vache. Alerte! Sécurisez le paquet! Ah bah le paquet est... Ouh! Et vous mon dieu? Ouh! Petit paquet sécurisé. Par pitié, laissez-lui son bras. Emmenez-le avec vous, par pitié. Ok. Ah, Martin Lee. Bienvenue à bord, docteur. C'est pas un Monster Truck, mais... Pas loin. Me touche pas, tout est sous contrôle. Bah oui, je vois ça. J'ai cru que je lui mettais dans la tronche. Ça n'aurait aucun sens, mais... Ok. Petite transition poursuite. On commence à connaître le jeu. Ah, c'est stylé. Putain, j'adore. Le Dr Michaels et le souffle du diable. Bien reçu. Je vous envoie des unités. Il garde Michaels en vie, c'est bon signe. Sans doute pour sortir à fabriquer plus de souffle du diable. Ah, je dois arrêter ce camion. Ce tank, on parlera ce truc, quoi. Ok. Non. Ok. Oh. Oh, la chance. Ok.
sable international. Nous sommes autorisés à employer la force létale. C'est notre dernier avertissement. Wow, wow! Il y a une arme biologique là-dedans! Agent, feu à volonté! Wow! Pourquoi tout le monde se met à tirer des roquettes d'un coup? Et surtout, pourquoi tout le monde a des roquettes en fait? Vous aimez le déroulement de l'opération. Désolé, mais je cautionne pas l'opération missile dans Manhattan! Okay. Ok. Ok, ok. Je dois éliminer les types dans les camions avant de poursuivre lui. Bon, ça a failli mal se terminer. Hein. Pas vous mentir que. Ok. Wow. Oh, c'est stylé de fou. Oh non, il y a un mec au lasso. Non. Ah c'est bon. Oui. J'avais deux jauges. Oh parfait, j'avais deux jauges. Nice. Oh bon alors ça c'est une plaie dans le dos qui est parti hein. Quoi, ça l'a pas fait? Ouvrez le feu. Sam, vous allez faire tuer quelqu'un. Vas-y, tu veux pas décoller toi? Chauffez le camion tout de suite. Arrêtez! Code rouge! Ou bleu! Ou violet, je sais pas moi! Mais cessez le feu! Ok. Allez, part. Mais frérot! Non! Au corps, Régis, j'ai un rencard avec ton patron! On peut aller voir en bas de la route si j'y suis? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, cette boss finale? Oh là, va, je vais péter mon crâne. Il peut pas me toucher. J'ai l'impression qu'on est soft lock. J'ai l'impression. Voilà, voilà, bon. Ok. Pardon? Ouais, c'était un peu bizarre. Hein. C'était un peu bizarre. Hein. Ok, ok. Il arrive et il punira tous les pêcheurs. Rappelez-vous, le jeu a pas encore eu de patch. Désolé. Ok, oula, oula, oula. Ok. Lee, donnez-moi ça. Ok. Vas-y, vas-y. Oh non. Oh. Ah. Oh, c'est si dur. Ok. Où en êtes-vous? Vous avez capturé Lee? Ok. Je suis toujours là. Qu'est-ce que vous me faites là? Il est en train d'absorber mon énergie là. Ah non, il va me transformer en... Qu'est-ce qui se passe? Pour être honnête, j'espérais te conduire ici. Mes capacités me confèrent un certain pouvoir de persuasion. Wow! Je suis passé en négatif. J'ai eu le temps de t'observer. Je t'ai attendu à l'hôtel de ville. Enfin, où étais-tu passé? C'est réel ou c'est dans ma tête? C'est fâcheux. Tous ces innocents qui sont morts sans héros pour voler à leur secours. Ce policier t'a sauvé la vie, je me trompe? Il était là à cause de toi. Et Norman qui voulait se servir de lui. Un réflexe futile, en fin de compte. Et où était Norman pendant tout ce temps? Il se défilait, comme un rat. Il savait ce qui allait se produire, et il s'est enfui. Norman est comme une tumeur qui ronge cette ville. Il faut la retirer. Avant que le mal ne se propage, Norman se cache derrière un masque de mensonge. Je le ferai voler en éclats pour le révéler au grand jour. Enfile ce masque! Deviens l'un des nôtres!
Merci, mais non merci. D'une façon ou d'une autre, tu vas me rejoindre. Oula. M'attendez. Mais là, du coup, c'est dans notre esprit, ça? Toutes ces pertes humaines, ces victimes innocentes que tu n'as pas pu sauver. Martin, vous avez leur sang sur vos mains. Tu peux arrêter Osman. Tu as tellement de force. Je t'offre la détermination. Parce que là, du coup, comme des mouches. Si tu n'as pas bougé, moi je le tue alors qu'il est déjà plus dans mon esprit, quoi. Tout le monde. Qu'est-ce qu'une vie, une seule vie, en échange d'une ville remplie d'âmes. Oui, il y en a beaucoup là. Oh, doucement. Tranquillement installé dans sa tour de soir. C'est pas réel. Montre-moi ta vraie force. Oh. Oh, j'ai réussi à le toucher. Devant moi, je vais et montrer ton vrai visage. Ah. Ouais, j'ai l'impression que je le touche pas les du tout, t'sais. M'ont prêté allégeance, et je leur donnerai ma force. Qu'est-ce que c'est que ça? Masque. Quoi? Tu dois détruire le masque. Arrête. Je vous abandonnerai pas dans les ténèbres, Martin. Ah la saleté. Je vais la saleté. Tu ne seras plus qu'une coquille vide. Je t'interdis. Retournez vers la lumière. Je vais. Non. Ok. Ok. Ouf. Ça fait mal, ça. Tout va bien? Ils l'ont pris? Ouais. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Plutôt, oui. Vous êtes populaire, dis donc. Où est le sérum? Ils l'ont. Didiskoya. Bravo, le super-héros. Vous croyez sauver les gens, mais vous faites qu'aggraver les choses. Votre faute. Ma faute? C'était à vous de le protéger. Ah, il vous en faut deux? Oh! Assez! Vous devez prévenir Monsieur Osborn. Je vais la suivre. Merci. Je ne l'oublierai pas. J'aimerais bien récupérer ma vraie forme aussi. Oh, ça va mieux, oui, comme ça. Dites-moi que vous avez une piste pour retrouver Martin Lee. On a la vidéo d'un témoin dans un café. Apparemment, il est monté à bord d'une berline noire après l'accident. Une berline noire? Génial. Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque, et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. Vous êtes extra, Yori. Je suis en route. Allez, on est parti. Spider-Man. Allô? Est-ce que ça marche? Docteur Michaels? Comment vous pouvez m'appeler? J'ai emprunté une radio de Stade. Écoutez, les lieux de transit sont les plus exposés à une attaque du souffle du diable. Aéroports, terminaux de bus, gares. Après, ça peut se propager comme un feu de brousse. Comment ça se fait qu'Oscorp développe une arme biologique en pleine ville? Il ne devrait pas plutôt faire ça au pôle Nord? Norman prend très à cœur le souffle du diable, seul omnibus depuis des décennies. Ce projet va à l'encontre de toutes les lois fédérales et nationales existantes, mais il s'en fiche. Si ça venait à s'apprendre, il peut dire adieu à sa réélection. Laissez tomber la réélection. Il serait jugé à la haie pour crime de guerre. Pourquoi vous me racontez tout ça? Vous êtes tout aussi responsable que Norman.
Hey, effectivement. Mais les actes de Lee m'ont fait comme un électrochoc. On a trop longtemps négligé les risques. Je vous fais confiance, Spider-Man. Vous êtes le seul à vouloir faire ce qui est juste. Je vous en prie, protégez cette ville contre nos erreurs. Ok, ça marche. Allez, allons chercher ce monsieur Lee. Équipe sur place, ici le central. Vous pouvez bien. Ok. Oh non, plus de souffle du diable. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Boîte vocale de Mary Jane Watson, laissez-moi un message détaillé, aïe, et je vous rappellerai dès que possible. Qu'est-ce que tu fabriques, MJ ? Encore en train de risquer sa vie, comme d'habitude. Oh. D'après Standish, les démons veulent quelque chose à Grande Centrale. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher ici ? Ça a du flow. Peut-être mieux d'appeler Peter pour le tenir au courant. Oui, peut-être, non, oui. C'est pas la peine. D'accord. Il me conseillerait probablement de rentrer chez moi et de me coller à l'ordi. Je regarde vite fait et je le préviens si je trouve quelque chose. Spider-Man avait une sorte de sens du danger. Alors pourquoi il a rien pu venir ? Il aurait dû faire quoi ? Pour l'avenir ? Bah oui. Pour toi, s'il a pas empêché les explosions ? Visiblement, Oscorp a investi les lieux. La gamme de munitions intelligentes brevetée Oscorp, équipée de capteurs, a réduit de 94% le taux de victimes accidentelles sur le champ de bataille. Mmh. Oh. Chiffré redonné avec l'encodeur Cerber d'Oscorp. Le seul algorithme du monde mathématiquement prouvé inviolable. Apparemment, Osborn a fait appel à une aide extérieure. Il va payer ça de sa poche. Voilà le genre de leader qu'il nous faut. Si Wilson Fisk était encore là, il s'occuperait de ceux qui ont posé ces bombes. Et pour de bon. C'est pas faux. C'est vrai que pour le coup. Qu'est-ce que c'est que ça là ? À mon tour. Il y a quelques années à peine, le camouflage optique n'était qu'un fantasme de science-fiction. Mais avec les dispositifs de résonance magnétique brevetés au sport, votre aussi ? Est-ce que ça marche avec moi ou quoi ? Deviennent une réalité. Essayez par vous-même. Jour après jour. Oh la dinguerie. Voilà. Je ressemble à quoi ? Incroyable. Trop cool. Tu ressembles à un mec invisible. Hein. Pour le coup. Ok. Qu'est-ce qui me manque là ? Ah. Mais ça. Ce dispositif de dispersion Gaïa libère dans l'atmosphère nos microbes. Tiens. Modifiés. Résultat, nos rivières et nos océans sont encore plus propres qu'avant l'arrivée des hommes sur Terre. Oh yeah. Martin Lee. Monsieur Lee. Ce sera plus facile pour tout le monde si vous restez calme. Et faites ce que je dis. Police ! Aidez-moi ! Non ! Oh ! Oh ! Ah ! À moi ! Ok. Oh là là ! Tellement de civils. Ouf. Ça va, il tue pas les gardes. Là, j'arrive à le tester ici, là ? Non. Non, de toute façon, il a pas le truc. Enfin, pas sur lui, là. Je voudrais parler à Monsieur Osborn. Qui le demande ? La personne qu'il recherche. Que voulez-vous ? Je veux vous voir à la gare de Grande Centrale dans 30 minutes. Aïe. Où vous aurez plus de sang sur les mains. Ah bah si, j'ai rien dit. Il l'a vraiment sur lui. Ok. Ah mais on joue à... MJ, je suis en route là. T'es blessé ? Non, je vais bien. Dépêche-toi. Je fais le plus vite possible. Qu'est-ce que tu fabriques à la gare ?
Je t'expliquerai plus tard. Écoute, Lee est sur le point de libérer le souffle du diable. Il faut que tu fixes le camp. Il fera rien tant que Norman Osborn sera pas là. Attends, ça devait être le plan de Lee depuis le début. Rendre Norman responsable en le forçant à relâcher lui-même le souffle du diable. Je comprends la logique. Enfin, une logique de malade mental. Ok, j'y suis. J'entre dans la gare. Est-ce que je dois me méfier de quelque chose? Ah oui. Il a des drones qui montent la garde. Je crois qu'il s'attend à ta visite. T'inquiète, je suis dans le système de ventilation. Tu vois une sortie qui craint rien? S'il vous plaît, ne vous faites pas de mal. À l'angle sud-ouest. Ok, j'arrive. En vrai, c'est trop drôle. Ok. Ah ouais, je vais le guider. Si je m'approche plus, les drones vont me repérer. Tu vois la tablette que j'ai devant moi? C'est la commande des drones. Tu pourras l'attraper? Oui. À condition que tu détournes leur attention. Et sans te faire tuer. Je suis prêt. Fais-moi signe. Ok. Je suis prête. Attention! Seconde! Ok. Comment je me... Je peux pas me déplacer? Ok. Bouge. Je les laisserai pas me tuer sans rien faire. Non! Mais pourquoi? Non! MJ, qu'est-ce que tu fais? On va tous se détendre. Ting! Pour un bagne, pire. Je suis journaliste. Je suis en contact avec le maire Osborn. Je peux faire en sorte qu'il arrive. Dans les temps. Comment? D'abord, lâchez-le. Aïe. Ah merde, j'ai cru que c'était... Non, c'est un drone. Il est où Spidey, là? Ça me terminerait de le voir. Ok. Oh, la petite coop, quoi. Ok. Je dois pas me faire voir. Ouais, parce que je pense pas qu'elle a pu s'assommer ou quoi que ce soit. Ok. Oh non. Les drones, à couvert. T'as toujours la tablette? Oui. Il faut pas traîner. Ok, pas de problème. Allez. Non mais ça va allez. Être cramé si elle est désactivée. J'y suis presque. Ça y est. Ah non, il reste en... Ah oui, d'accord. Non, faut que tu sortes ici. Y'a plus le mode alerte, quoi. Je reviendrai le chercher. Non. Partenaire, tu te souviens? On peut voir ça plus tard. Ça rappelle la scène si du bisou. Pas ces gens, ils vont mourir. Toi aussi. Et je me le pardonnerai pas. Non. Non, je me suis mise dans cette situation, je m'en sortirai. Comment ça, tu t'es mise dans cette situation? Elle a raison, mais elle est fatigante. J'aime pas ça, ils sont beaucoup trop nombreux. T'as qu'à en éliminer quelques-uns. En silence. Ah oui, genre je les bait. Comme ça, les mecs se font fumer. Il est où? Ils sont encore trop proches. Ça a marché. Attaque! What? Je l'avais pas vu ici. Attendez, je veux scout. Ah si, on le voit. Hein. Élimine-le. Ça fait bizarre de les voir en super fumé, mais d'un point de vue, comment dire, bah spectateur, quoi. Tu peux essayer de séparer ce groupe? Ok, je vais essayer de les séparer. Ah, sauf qu'il y a un mec là-bas, en fait. Maintenant. Oh, il a volé d'une vitesse. Chope-le. Ok, putain, il décolle vite, hein. Ok, il y a un mec là. Ouf. Tandis que l'orage éclate chez moi, ça fait du bien. Je peux pas t'attirer, toi? Ah, ils sont en moitié sourds, quand même, les types. Hein. Oh, ça a pété d'une force. Là, je vais l'avoir. Après, je suis peut-être pas obligé de tuer. Ah, il est cramé, là.
Non, il est cramé, c'est mort. Là, je peux même pas lui dire de l'éliminer. Ah si. Ouais, mais l'autre là, faudrait qu'il tourne la tête derrière. Il va jamais se retourner. Donc lui, je pense que personne ne le voit. Ouais, non, je pense que là, il le... Sauf s'il vient au milieu là. Maintenant. Vite. Ok. Bon, on va avancer tranquillement. Angie, tu savais que Lee allait venir ? Pas vraiment. Comment ça ? Je me disais qu'il allait se passer un truc, mais je pensais pas à ça. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je croyais qu'on était partenaires. Les partenaires se font confiance, Peter. Comment ça ? Je te fais confiance ? Ouais, quand je suis chez moi, assise devant l'ordi. Arrête ! On peut retourner sauver la ville, si ça te dérange pas. C'est de la pluie latérale. Du coup, on va éviter d'avoir une piscine à l'intérieur. Je peux pas lui fumer ? Moi, je peux pas lui dire de le fumer. C'est-à-dire qu'il se fait voir, en fait, si je peux pas. Il y avait une frame, mais là, il n'y a plus. Parce qu'ils étaient en train de discuter. Bah, du coup, maintenant, je suis... Bah, je suis finito. Ok. Il y a un mec là. Ah ouais, mais lui tout le monde le voit en fait. Quoique. En vrai, quoique. Ah, je peux pas. Ouais, je pense que quand on peut le faire, c'est qu'il est pas détecté. Mais c'est bizarre parce que là pour moi, l'autre il peut le voir. C'est quoi au pire? On va bien te fumer. Bah là je peux plus. Non je pouvais pas. Ah. Ok. Peut-être que le jeu comprend mal lequel je veux faire. Vas-y. Sauf que le truc. Parfait. Maintenant, celui-là de devant. Chope-le. Voilà. Hein ? Il m'a fait peur, il est en alerte. Il y a un mec. Oh bah, ouais, il y a le mec. Il est là, Fujin. On va très vite le prendre. Il m'empêche de passer. Lancez le décompte. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur moment. Ouais, j'avoue que. C'est le moment. Détourne leur attention, je m'occupe du souffle du diable. T'es sûr de ce que tu fais ? Non. Mais... Oh. Ok. Les bleus doivent être branchés sur la batterie. Et le jaune, c'est la ventilation. Le rouge a un point d'exclamation. Ok. Pour commencer, tu dois retirer les fils de la batterie. Tu suis les fils de l'autre côté, et après tu pourras les débrancher. Ok. Débrancher les fils de la batterie. Hein ? Ah, attendez. Cela, à mon avis, il me faut la. La batterie, c'est ça. Retirer les fils de là, la batterie. Là. Oh, quelle là. Bagaille. Ah oh. Je me concentre. Ok, j'ai enlevé un fil. Alors enlève le deuxième. Hein ? Vient de passer à 30 secondes. Ah, c'est un circuit de secours. Et après, le ventilo ? Oui, et ensuite le dernier fil. Mais il faut pas que tu traînes. Bon, maintenant le rouge. Ok. Ça y est. Oh, j'ai cru que j'avais perdu, mais non. Maintenant, faut faire évacuer les gens. J'aurais besoin d'un speeder coup de pouce.
T'es prêt? Un speeder coup de pouce. Ok, je vais libérer le passage. Essaye de rester discret. Ça marche. Ok. Toi, tu t'envoles. Je dois faire attention ou ils vont s'en prendre aux otages. Ok. Déjà ça, c'est clair. Ensuite, on peut se mettre au drapeau. Puis on l'attrape. Ok. Petit fumé. C'est pas Monsieur Lee là ? Il tient absolument à terroriser New York. Ah. Qui c'est qui le voit, lui ? Là, personne. Ah, peut-être qu'on est passé dans l'escalier. Ok. Ah, par contre, il y a des drones. Ah oui, mais ils sont gentils. Ok. Il y en a en fond, je l'ai vu. Fisk aurait jamais fait ce genre de prise d'otage. Ça me fait mal de l'admettre, mais je préférais qu'on s'était lui. Eh oui. C'est un peu comme la mafia, hein. Ça cassait les pieds, mais en même temps, ça limitait les dingueries, quoi. Très bien. Oh, y en a qui sont en alerte là-bas. Pourquoi tu fais du zèle, toi? Ok. On a deux là. Non, ça va être technique là. Quoique. Maintenant. J'en neutralise encore un ou deux et vous pourriez aller sans danger. Dépêche. Oui, bah dépêche. Ça va aussi. Ok. Il y a encore le premier qu'on a accroché à gauche là. Ça me termine. Il reste plus que ces quatre là. Ah non, il y en a un là aussi. Hein. Ok. Décaler un peu pour pouvoir mettre son pote. Ah, je peux pas me décaler. Ah merde, l'autre derrière qui va là. Ok MJ, allez-y. Bien reçu. Suivez-moi, par ici. Ah ouais. Ah. Quoi? Mais je l'ai esquivé. Vous vous en êtes sorti? Ouais, tout le monde est en lieu sûr. Bien joué. C'est pas grave, j'ai encore les dégâts bonus. Ouais. Quand t'auras fini de ton côté, il faudra qu'on parle. Ouais, ce sera bien. Mais d'abord, trouve lui et mets-lui gratuit. Ah, j'ai plus les dégâts bonus. Si MJ a une dent contre quelqu'un, on va être à sa place. Mais frérot, je me sens pas hyper tranquille. En fait, je comprends pas le... Je comprends pas le timing de... Parce que je l'ai esquivé et pourtant... Ça m'a quand même touché. Surtout qu'il y a la slow-mo maintenant, donc en plus je le vois. Quand je fais des esquives parfaites. Ah... Ouais, je piche pas. À moins qu'ils aient double... Ou je crois en fait que j'esquive, mais j'esquive trop tôt. Ça, c'est fort possible. Hein. Tellement peur que... MJ, vous vous en êtes sorti? Ouais, tout le monde est en lieu sûr. Bien joué. Ouais. Quand t'auras fini de ton côté, il faudra qu'on parle. Ouais, ce sera bien. Mais d'abord, trouve-lui et mets-lui une raclée. Si MJ a une dent contre quelqu'un, j'aimerais pas être à sa place. Là, je me sens pas hyper tranquille. Ok, c'est l'heure du point culture.
Saviez-vous qu'une grande centrale possédait le plus grand sous-sol de tout New York? Pour l'instant, le point, il est dans leur tronche. Hein. On pourrait caler la moitié du pont de Brooklyn là-dedans. Ah, il y a le lance-roquette au-dessus, je l'avais pas vu. Ok. Ah bah ouais, à qui le dites-vous? On en fait plus des comme ça. C'est que les New Yorkais avaient la niaque à cette époque. Enfin bref. Je pourrais raconter des anecdotes jusqu'à demain. Mais je dois empêcher votre carré de patron de détruire. Ok. Bon, les dégâts bonus, ça fait le taf. Hein. Il y a prévu un train pour s'enfuir. Je dois pas le laisser filer. L'accès au quai est ouvert. Lee doit se trouver par là. Ça fait le taf, les dégâts bonus. Hein. Ok. Le train démarre. Lee va m'échapper. Ok. Pardon pour le retard. Mauvaise habitude. Oula. Ok. Les petits combats rapprochés. Bon, au moins cette fois, il met pas dans sa dimension. Ah oui. J'ai esquivé, mais... Il y a peut-être des doubles esquives. Hein. Ou c'est un mauvais timing. Je pense que c'était juste du mauvais timing. Voilà, bourre-le dans le poteau, là. Enfin, dans la porte. Ouh. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour régler une vieille dette. Ah, c'est ça, il absorbe leur... leur force, en fait. Moi aussi, je peux faire ça. Hein. Regarde. Ah non. Je ferais mieux de rester à distance. C'est pour la blague. Je vais attendre une meilleure occasion. Ok. Oh la vache. Proche et sur exécute. Ah. Je t'épuise, on dirait. Merde. Ah ouais, mais c'est qu'un... Ah ouais, d'accord. C'est qu'on peut faire aussi des esquives avec croix maintenant. Ah ouais, mais... Là, mon cerveau, il est pas... Il est pas bon pour ça, quoi. Non. Pour le moment. Non. Il est vulnérable. Oh la vache, c'est terrible. Heureusement que j'ai plein de points de vie maintenant. Malade, je peux vous aider, Martin. Ouh. Mais Spider, saisis-toi là. Bah, y'a un moment, on va falloir taper, hein. Oh. Ah. Petit court-circuit. Point faible électricité, il faut que j'y pense, du coup, avec mes trucs électriques, là. Pas de problème. Pas de chocolat. Ah, il va faire comme dans le film. Yuri, il y a toujours des travaux à l'angle de la 42e. Ouais, la rue est fermée pour un mois encore. Pourquoi? Allez. Ah oui. Eh ben. Bon, Martin Mystère, là, va se calmer quand même.
Prochain arrêt, la prison. Ok. Ramenez ça tout de suite au labo. En avant! Il faut le détruire surtout. Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Salut, c'est moi. Dis-moi quand tu voudras parler. Eh ben. Pas facile le martinier. Hein. Les textos, ça compte pas? Qu'il est debout, mais. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Bah, ouais, mais là, frérot. Bah, ouais, mais fais des vraies phrases. Bon, de toute façon, ça la choque, mais. Elle a rompu parce que justement, je faisais trop de blagues dans des moments qu'il fallait pas. Que je la rabaissais et tout, quoi. Quoi ? Oh, c'est trop. Ah, ok, ça va. Eh ben non, ça va pas. Mais à quoi elle veut réfléchir ? C'est faux. Tu crois ? Ouais, mais le problème, c'est que toi, t'es une civile, en fait. On t'attrape, c'est terminé, en fait. On te brise la nuque, c'est fini. Y a pas de, t'as pas de gilet pare-balles, t'as rien du tout. C'est, mais bon. Ok, bon, le petit Martin Lee là. Ouf, vache. Genre j'ai pas eu de succès. Vous avez réussi. Lee est en route pour le raft. Sable a le souffle du diable en main. Comment vous vous sentez? Comment je me sens? Je vous fais la version longue? Pas le temps. Plus vous jouez les héros, plus j'ai de la paperasse à remplir. Mais je voulais vous dire, beau travail. Merci, Yuri. J'avais besoin de l'entendre.